Quatre années après l'adoption de ces statuts, le Fonds monétaire africain se fait toujours attendre. L'institution pensée depuis l'époque des pères fondateurs de l'Union africaine a pour vocation de contribuer à la stabilité économique et à la gestion des crises financières en Afrique. Cependant, depuis 2014, 15 signatures minimum restent toujours attendues pour sa mise en activité. Les pays africains n'ont pas les moyens nécessaires pour être en mesure de se mettre en place avec cette institution. C'est la raison pour laquelle, du point de vue administratif, la plupart des pays n'ont même pas ratifié. Il n'y a pas un seul pays qui a ratifié les textes du Fonds monétaire africain. Deuxième chose, les pays africains ne sont pas encore prêts à une gestion transparente, avec une surveillance des pairs et qui garantissent une efficacité au-delà de l'influence individuelle. Pour les experts, outre son apport sur le développement du commerce intra-africain, le Fonds monétaire africain pourrait surtout favoriser l'institution d'une monnaie unique en vue d'une meilleure intégration économique régionale, paralysée pour l'heure par l'existence d'une multitude de monnaies. Il est évident que les orientations stratégiques africaines en matière économique sont pilotées par la pensée occidentale. Les Africains veulent s'en affranchir, ils veulent être en mesure de se donner des outils qui leur permettent d'avancer au rythme qu'ils choisissent. La création du Fonds monétaire africain est associée à celle de la Banque centrale africaine à Abuja au Nigeria et de la Banque africaine de l'investissement à Tripoli en Libye. Des institutions qui tardent également à voir le jour. Cependant, avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange en 2018, la nécessité d'un Fonds monétaire africain s'impose davantage pour booster les échanges intra-africains, estimés aujourd'hui à seulement 16%.